Le grand Guédé. Oui, papa. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Bonjour, le peuple de Dieu. Bonjour. Bon, je m'appelle Guédé. Magui Jean-Pierre. J'étais sorcier quand il était venu. Mais Dieu a permis que aujourd'hui, je suis délivré. Dieu m'a libéré de ce pouvoir satanique. Maintenant, je suis délivré totalement. Donc, c'est pourquoi je suis venu ici pour dire merci à Dieu, pour dire à l'homme, merci à l'homme de Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi. L'homme de Dieu qui voulait manger. Ça n'a pas pu, mais papa, pardonne-moi. Toujours, je continue de dire pardonne-moi. Je t'ai pardonné, c'est pour ça qu'il était délivré. Ok, merci papa. Mais je t'observais. Oh, tu tentes de préparer ton plan. Envoyer les gens me tuer. Les gars, hier un matin, peut-être que tu dois t'informer. Mais pourquoi tu t'es fait quoi? Et puis tu cherches à venir me détruire et à détruire le centre. Moi, je veux savoir, même si tu n'es pas le chef, pourquoi tu te demandes de venir me tuer? Papa, il dit qu'il vous demande pardon. Pourquoi? Pardon? Ça, non, pas. Bérim, pas parce que Minawa Noala, il est bien pour Bérim. Il dit qu'il vous demande pardon à cause du fait que son groupe est allé vous attaquer. Donc, pour cela, il vous demande pardon. Oh, tu as à moi, toi. Papa, il dit qu'il vous demande pardon, que vraiment c'est lui qui les a envoyés. Donc, il vous demande pardon. Je lui ai fait quoi? Oh, ça, on est mort. Je lui ai fait quoi? Ça, on est mort. On y est tout le monde. Il dit, vous n'avez rien fait. Mais il vous demande pardon. Ça, mais tu sais que les gens sont venus là. Tu sais au moins. Oh, ma... Tu es informé? Il sait. Hein? Il sait. Oui. Il dit qu'il sait. Vous voyez ça, il y a un bois, sinon il y a un bois au hasard. Papa, il dit, vous n'avez rien fait, mais comme ça a fait des sorceleries, c'est cela, c'est arrivé, c'est comme si vous avez fait quelque chose, sinon en réalité, vous n'avez rien fait de mal, mais comme ça, c'est la sorcellerie, c'est ce qui l'a poussé à faire ça, donc il vous demande pardon. Est-ce que quand tu es venu au secrétariat, tu as dit à la secrétaire bêtement que tu étais sorcier? Tu étais sorcier? Non. Pourquoi? J'ai dit que je suis accusé de sorcellerie. Ah, mais tu n'es pas, tu n'es pas sorcier. Maintenant, tu es en train de confesser. Pourquoi vous n'êtes pas ouvertement, vous n'avez pas dit ouvertement, vous vraiment féliciter votre courage de pouvoir abandonner le royaume de la sorcellerie et venir. Vous pensez que c'était un endroit où on te donne des protections? Tu penses que j'étais comme les autres pasteurs qui vont venir te regarder et puis ça va te dire. Donc, vous dites déjà que je te maîtrise. Vous êtes un véritable danger. Vous êtes un danger pour la société, même déjà. Vous êtes très dangereux pour la société parce que je sais de quoi vous êtes capable. Je sais de quoi vous êtes capable. Vous n'avez pas le pouvoir de Léopard. Très bien. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Qu'on a le pouvoir de le. Et puis tu dis oui. Non, je sais que. C'est que tu es un bon chasseur. Tu sais que tu es un bon chasseur. Monsieur, s'il vous plaît, on vous envoie tuer les gens. Vous-même, vous savez ça. Ça veut dire que vous, au-delà des gens que vous tuez là, on vous envoie. On vous loue pour aller tuer des gens dans des régions, dans des villes. C'est faux ce que j'ai dit là? C'est faux ce que j'ai dit, monsieur. C'est vrai. Je suis voyant. C'est mon don, ça y est, je suis voyant. Et je suis content d'avoir eu ce don-là, à cause de vous, les délinquants et des criminels comme ça. Vous tuez, vous avez pris de votre vie à éliminer, à ôter la vie de 5200 personnes. Et vous venez, vous voyez, nous, là, c'est pour une occasion de vous repentir. Quand vous venez à Divo, là, dans la salle ici, là, vous avez laissé la sorcellerie dehors pour ne pas que je vous détecte. C'est pas ça? Non. Je suis venu dans l'intention. Je suis venu dans l'intention. Non, monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît.
Tu as dit au secrétariat que tu es venu parce qu'on t'accusait de sorcellerie, de sorcier plutôt. Et tu allais te mettre dans la foule. Mais la sorcellerie qui a déposé dehors, là, moi j'ai vu ça. On n'est pas que je puisse te voir. Et le langage des autres pour ta famille. Et tu as porté notre vêtement comme transparent. C'est-à-dire que toi, tu es comme transparent, neutre. C'est comme des verres, qu'on appelle la même, les plastiques. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Comme qu'on appelle imperméable sur toi. C'est pas ce qui t'a porté tout de suite. Pas plus que quoi. Tu l'as tout de suite. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça, non? Oui. Attends, tu as porté de l'habit. Tu as vu que malgré que tu as porté l'habit mystique, ce n'est pas que je puisse te détecter. Moi, je suis à des milliers de kilomètres. À partir d'un écran, je sais déjà qui tu es. Mon don, là, ça vient de Dieu. Hein? Ça vient de Dieu. On continue ou on laisse? On continue? On continue. Bon, je disais comme ça que c'est moi qui ai détruit la plantation de mon oncle au village. Ça, il n'avait pas dit ça. J'ai chié là-bas. Comment vous avez détruit sa plantation? J'ai chié dedans. Il n'y a pas baissé quelque part? Non, il y a baissé, mais c'est pour ne pas que la plantation donne. Alors, tu as fait comment? J'ai chié au milieu du champ. J'ai creusé un trou et puis j'ai chié dedans. Et l'odeur a empoisonné tout le champ. Et le champ ne produit plus, monsieur, c'est ça? Non. Mais pourquoi cette méchanceté-là? Il vous a fait quoi? Il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Papa, c'est pour ne pas qu'il ait de l'argent. Sinon, il ne m'a rien fait. Qu'est-ce que vous avez fait aux enfants, etc.? Bon, les enfants, j'ai enlevé leur intelligence. Ah bon? Vos propres enfants? J'ai enlevé leur intelligence aussi, papa. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Vous reconnaissez tout ça, ces aveux-là? Oui, papa. Il dit, il reconnaît. Voilà, maintenant, il s'agit de votre chérie. Vous allez manger les reins d'une chérie. Oui, papa. Il dit, il reconnaît qu'il a mangé les reins de sa chérie. C'est les reins que vous... Comment vous pouvez manger les reins? Expliquez-moi un peu. Expliquez comment vous pouvez manger des reins. Ah, papa, c'est la sorcellerie, c'est pas de ma faute. Oui, mais si c'est pas de ma faute, qui a mangé ça? C'est moi qui ai mangé, mais c'est la sorcellerie qui a fait. Ce n'est pas je n'ai pas la volonté de manger. Mais... Expliquez-moi comment vous avez pu prendre les reins pour aller faire les reins pour manger. J'ai pris ça pour emmener dans la sorcellerie là-bas pour manger, sinon. Il n'y a pas autre moyen que ça. Comment vous avez pris votre chérie? Comment tu as fait pour prendre? Et après ça, pour manger. Elle dormait. Et puis j'ai opéré et puis j'ai enlevé les reins. Tu vas aller manger? Oui, papa. Pourquoi c'est pour elle là? C'est pour elle là que toi tu te vas chez elle, s'il n'y a pas bien. Je sais pourquoi c'est pour elle. Non, c'est parce qu'elle était auprès de moi. Il dit que c'est parce qu'elle était auprès de lui. Une femme quand même respectée, elle dort avec toi et tu manges. Papa, est-ce que je suis en train de dire, c'est la chose. Je n'ai pas la volonté, mais c'est la sorcellerie qui me pousse à faire ça. Si tu as été sincère, Jésus va te délivrer. Ferme tes yeux. Je commande à l'esprit de la sorcellerie, le démon qui te pousse à détruire la vie humaine, qui te pousse, n'est-ce pas, à détruire. Je parle à ce démon qui anime ton corps maintenant.
Je commande à ce démon de la sorcellerie. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu te terrasse et détruit tout ton pouvoir. La puissance de Dieu te terrasse et détruit ton pouvoir. Libère-le, 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 libère-le. Au nom de Jésus, libère-le. Feu, feu. La puissance de Jésus. Hey! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua et Machia. Lâche. Feu sur toi. Feu sur toi. Allez! La puissance de Dieu, 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 au nom de Jésus. Va-t'en. 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 La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sors et libère-le. Sors et libère-le. Sors et libère ce corps. Lâche-le. Prie. Tu ne vois pas quelqu'un qui va nous sauver. Tu es venu là-bas. Non, tu as voulu me mettre en sauce arachide et la galette pour manger. Tu es sûr que ça va bien? Oui, ça va, papa. Je veux te voir chanter sa guédée. Je veux chanter pour moi d'abord, papa. Ah, chante pour toi. Waouh, chante pour toi. Chante pour toi. Okay. Lotala, tu la colotala, bani wisade, balina okai. Anwana lotala, tu la bani wisade, balina okai. Ale lotala, dire tenyo lotala, bani wisade, balina okai. Yeah, lotala, la gole, lotale, bani wisade, balina okai. Lotala, tu la colotala, bani wisade, retiré là où il m'a enlevé, en tout cas je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Yeah. Amen.